Salut à tous, c'est Baïsanka. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'information sur GTA V. On va parler du mode Redux qui arrivera donc prochainement puisqu'on a a priori enfin une date de sortie pour ce mode exceptionnel qu'on attend depuis presque un an. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, l'année dernière, Josh Romito, le créateur donc du mode Redux, était sur un projet qui s'appelait The Pinnacle 5, donc un mode sur GTA V PC qui permettrait aux joueurs de jouer avec des textures 4K. Donc malheureusement, début d'année 2016, il a dû arrêter son projet dû à des soucis de copyright. Son projet The Pinnacle 5 utilisait des mods créés par d'autres modeurs. Ça les a un peu dérangés et du coup, il a dû tout stopper. Une fois que tout ça s'est su, donc Josh Romito a fait des excuses en annonçant qu'il reviendrait avec un projet différent, mais qui permettrait toujours aux joueurs donc de jouer à leur jeu avec une qualité exceptionnelle. Et c'est chose faite puisqu'il a annoncé prochainement la sortie du mode Redux, donc qui devrait être disponible dans quelques semaines. On peut voir donc le 26 août qui a été donné par plusieurs forums. Reste à voir quand c'est que Josh décidera de mettre en libre téléchargement son mode Redux. Donc comme vous pouvez le voir, je vous ai mis des images donc d'un gameplay justement sous ce mode Redux. Elles sont vraiment magnifiques, surtout au niveau des reflets, de la couleur, la lumière, les ombres. Je me suis même arrêté sur certaines d'entre elles en pensant que c'était des fakes tellement que c'était réaliste. Tout ce qui est un peu les feuilles, les arbres, franchement je trouve ça vraiment trop bien fait. Après évidemment il faudra un PC capable de faire tourner GTA et ce mode en même temps, et à mon avis ça sera pas donné à tout le monde. Mais franchement je trouve que c'est vraiment hallucinant la qualité qu'il a réussi à mettre dans son mode. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, en tout cas j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je vais vous laisser regarder du coup ces images tranquillement, franchement il y en a qui sont vraiment stylées. Dites-moi ce que vous pensez donc de ce mode en commentaire, moi je trouve que les graphismes sont vraiment au top. Et puis voilà, donc je vais vous laisser sur ces images, je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde. Try to tell me there ain't something.